Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du samedi aujourd'hui. Donc on est le 20 juin. J'ai une nouvelle tête. Oui, j'ai une raison, je vais vous dire pourquoi. Donc on m'a demandé que les injections de toxines botuliques se sont super bien passées. J'ai demandé, alors le chirurgien est un petit peu étonné, oui et non. J'ai dit que je ne voulais aucune anesthésie. Parce que j'estime que mon corps a suffisamment eu de merdouille. Et puis que je supporte assez bien la douleur, je supporte tout. Et moralité, ça s'est super bien passé. Et puis donc il n'y avait pas de case salle de réveil. Il n'y avait pas. Enfin bref, ça a été génial. J'ai parlé tout le long à une des deux infirmières. Enfin bon, nickel. Donc j'avais pas fait faire exprès un ongle pour qu'on me mette, vous savez, le bip là pour votre cœur, mais bon, l'été, on m'a rien fait du tout. Donc, c'était top. Ils m'ont repassé des antibios encore pour l'infection urinaire, parce que j'avais eu en cachet, mais elle était tellement importante qu'on m'a donné aussi en perfusion. Mais voilà, donc ça s'est super bien passé. Donc ça, je suis contente. Sinon, pourquoi petit changement de look? C'est parce qu'à partir de la semaine prochaine, pour moi, j'amorce un tournant à 180 degrés. Non, peut-être pas autant, je sais pas. Disons que je change de boulot. Donc là, ça va être. Bon, là, j'en parle pas pour l'instant, parce que j'ai pas commencé. Mais ça va être gros changement, que ce soit changement complètement de profession, changement de d'horaire, changement de tout. Donc on verra bien, mais bon, je suis prête pour cette nouvelle aventure. Et puis voilà, mais là, je sens que oui, il faut que je reprenne sérieusement le travail, puisque jusqu'à présent, comme je vous avais dit, j'étais en télétravail. Après, j'ai dû poser tous mes congés, et puis là, j'attendais que l'autre travail commence. Mais c'est vrai que me connaissant, vu que j'arrête pas de bouger, tout ça, j'ai besoin, oui, de reprendre une activité. Ça me fera du bien. J'espère que je vais tenir, puisque bon, comme vous le savez, j'ai été très fatiguée avec le zona, avec tout ce qui, voilà. Mais ça va le faire. Sinon, autre et dernière chose, j'ai reçu à nouveau, enfin, je reçois tout le temps, mais là, de personnes que je connaissais pas du tout, des nouveaux messages. Me félicitant, bon, ça fait toujours très plaisir. Et puis c'est vraiment, non, c'est des messages qui m'ont particulièrement touchée et tout. Donc comme je vous l'ai dit, je vous souhaite le meilleur de toute façon, et ça va le faire, quoi. Donc un grand merci, continuez vos messages. Donc donnez-moi des idées de sujets, de toute façon, comme auparavant. Et puis, quand ça ira mieux, je recommencerai les interviews, mais pour l'instant, là, c'est un peu trop tôt. Voilà. Et puis, je m'aperçois, alors je ne sais pas vous, justement, ça peut être un questionnement que je vous fais. Là, j'ai eu l'occasion de sortir tout à l'heure, masquée toujours, mais je me rends compte que même si la personne qui est à côté de moi, que je ne connais pas, que je rencontre dans un magasin, est masquée aussi, en fait, je me rends compte que je fuis et que je supporte plus qu'il y ait des personnes autour de moi. Alors, je sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi, c'est assez impressionnant, en fait. Donc voilà. Donc je vous fais plein plein de gros bisous. Surtout, vous vous portez bien. Comme je l'ai dit, et je sais que ça fait plaisir, vous n'êtes pas tout seul. Ça, c'est important. Et puis je vous dis à très très vite. Gros bisous.